Aujourd'hui, je te montre à jouer la gamme de Fa dièse majeur. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone pour que tu puisses progresser rapidement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble comment jouer la gamme de Fa dièse majeur. Cette gamme contient 6 dièses, c'est-à-dire 6 altérations qui sont Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse et Mi dièse. Pourquoi on met des altérations dans une gamme? C'est pour respecter la distance entre les notes de ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Alors dans la gamme de Fa dièse, ça prend 6 dièses pour arriver au son de la gamme majeure en partant du Fa dièse. Alors on regarde ensemble les notes sur le saxophone. Première note évidemment sera Fa dièse. Le Fa dièse, tu le fais en mettant tous tes doigts sur la main gauche et le doigt du milieu de la main droite. Alors ici, on a Fa dièse. Ensuite, Sol dièse. Ici, la petite clé, pas oublier. La dièse. La dièse comme ça, comme si, mais avec la petite clé juste en dessous. La dièse ou si bémol, même chose. La dièse. Ensuite, Si. Do dièse, on fait rien. Ensuite, Ré dièse, c'est tous tes doigts, la clé ici et la clé d'octave. Ré dièse. Ensuite, on s'en va à Mi dièse. Mi dièse, ce n'est pas compliqué à vie, c'est comme Fa. Mais dans la gamme, théoriquement, on va l'appeler Mi dièse. Et on termine évidemment avec Fa dièse, mais avec ta clé d'octave. OK, si je recommence, Fa dièse en bas, sans clé d'octave. Sol dièse. La dièse. Si. Do dièse. Ré dièse. Avec la clé d'octave. Mi dièse et Fa dièse. Je te la joue. Alors, je t'ai joué les notes de la gamme de Fa dièse et j'ai terminé avec l'arpège. Et l'arpège, c'est Fa dièse, La dièse et Do dièse. Dans toutes les gammes majeures, c'est toujours le premier degré, le troisième degré et le cinquième degré de la gamme. Donc, c'était la gamme de Fa dièse sur le saxophone. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, tu peux me laisser ça dans les commentaires. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, je t'invite à t'abonner. Salut, à bientôt.